وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'être humain fi kabad. Il y a deux explications pour kabad. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Le premier sens de kabad, c'est مُسْتَقِيمًا. Le même sens que dans sourate Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, sous sa meilleure forme. Ça, c'est le premier sens de لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On l'a créé sous sa meilleure forme. Debout, parfait, la tête en l'air, des yeux, un nez, une bouche, il respire. Regardez les autres créatures, elles sont comment? La tête vers le sol. Qui est la créature qui marche la tête en l'air? L'être humain. Pourtant, il n'est pas le plus fort de toutes les créatures. Combien de créatures qu'Allah il a créées, elles sont beaucoup plus fortes que l'être humain. Non. L'autre explication de laqad khalaqna al-insana fi kabad, ça veut dire dans le sens une lutte, une fatigue. Allah a créé l'être humain pour subir de la peine, de la difficulté. Il subit de la peine et de la difficulté dans ce monde pour toute chose. Il subit de la peine et de la difficulté pour se nourrir. Il doit aller chercher la nourriture, il doit travailler, il doit suer. Il subit de la peine et de la difficulté dans l'épreuve de laquelle il vit dans ce monde, avec son âme bestiale, de devoir combattre son âme, qui la pousse vers le mal et lui doit la tirer vers le bien. Il vit de la peine et de la difficulté en pratiquant certains ordres religieux. Il y a de la difficulté physique parfois dedans, parfois il y a une guerre en toi-même. Donc il est dans une lutte. Dans une difficulté, cet être humain. C'est ça la lutte. El-Kabad dans le sens de la lutte.